Les groupes rebelles syriens soutenus par la Turquie ont commencé à retirer leurs armes lourdes de la zone démilitarisée d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. Le Front national pour la libération, ou le FNL, a confirmé ce retrait. Il a expliqué que ce retrait devrait durer quelques jours, mais ses combattants resteront à leur position. L'accord conclu entre la Turquie et la Russie a d'ailleurs été suspendu en raison d'une offensive lancée par le gouvernement syrien. Les Nations Unies ont averti qu'une telle attaque allait créer une catastrophe humanitaire. La région d'Idleb abrite près de 3 millions de personnes. Le principal groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham n'a pas encore annoncé s'il allait se conformer à l'accord.